Hace lo que a ti te entiende. Siento que la pasa, que pendiente. Cuando yo te toco, terminas temblando. De tu cuerpo me dejaste deseando. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que je n'ai plus tournée depuis fort longtemps. Un petit haul beauté. Tous à Zimiote. Beaucoup de choses que j'ai achetées, avec évidemment des anecdotes, des pérégrinations et des mésaventures. Mais également beaucoup de choses que j'ai reçues en PR. Et également dans cette vidéo, une jolie surprise pour vous. Donc cette vidéo vous trouve en ce mercredi, c'est une nouvelle édition mercuriale. De tout cœur, je souhaite que vous la regardiez aujourd'hui. Parce que c'est précisément à la date d'aujourd'hui qu'est attachée l'une des surprises, parce que je vous réserve en réalité trois surprises, parce que je suis une personne de surprise et parce que ces derniers temps, je sais pas si vous avez noté, vous êtes gâtés avec Bibia. Bon, je suis ravie vraiment. Bon, donc je le disais, des choses que j'ai achetées, des nouveautés, des classiques, des choses sur lesquelles j'insiste, parce que moi je suis, il y en a un produit en particulier sur lequel je suis en état de choc. Je vous en ai déjà parlé, là j'ai fait un backup des familles, vous savez que je suis une personne de backup. Oui, je parle vite parce que je dois filmer deux vidéos. Parce que au moment où vous regardez cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. Mais je vais filmer juste ensuite de celle-ci une autre vidéo qui vous trouvera pendant mon absence, parce que je vais en aller. Et je ne veux pas vous laisser sans vidéo. Donc je parle vite parce que j'essaie de filmer le maximum de choses. Donc je l'ai dit, du PIA, j'ai reçu de très jolis colis. Un petit peu de tout et des choses et des choses. Donc là encore, je commence avec ce qui est devant moi. Il y a des choses que je vais découvrir également, d'accord. Je commence avec ce qui est immédiatement devant moi. J'ai craqué pour ceci. Quelque chose de la cosmétique asiatique, mais dans la catégorie make-up. Hein. Donc la marque c'est I'm Mime, je les avais découvert à l'occasion du calendrier de l'Avent de YesStyle. Et depuis je suis allée jeter des petits coups d'œil et j'ai trouvé des choses, et donc j'avais très envie de ce produit là. C'est un quatuor bronzing contouring, il s'appelle All About Contouring. Et voici le produit, pas la bonne chose. Il n'est pas exclu que vous entendiez des éclats de rire derrière vous, ce qui est agréable pour tous. Pas ici mais outside. Ukrainien. All About Contouring, et j'adore. Parce que c'est vraiment du contouring, ce sont des teintes top, grises, froides. Et non pas orange, chaude, bronzing. D'accord? Crenons. Donc j'ai hâte. Produit qui remporte de merveilleuses revues. Cosmétique coréenne, hein, I'm Mime. Donc je suis ravie, je vous dirai ce qu'il en est. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une petite revue. Parce que moi je suis là, je dégote les choses, d'accord. Vous allez voir, j'ai dégoté des choses et tout, des trucs techniques, du moderne et du futur. Donc voici pour ce premier partage. Je poursuis avec encore quelque chose de... Parce que c'est vrai que moi je suis très obsédée par l'hygiène dentaire. La question dentaire, généralement entendue. La santé, l'hygiène, la beauté, les technologies qui sortent, les choses, etc. Et bien j'ai trouvé ça. Ce sont des lingettes, parce que là c'est les japonais, le Japon, encore le japonais. Il y a le moteur, mais pas du tout, c'est pas un véhicule motorisé ça, c'est un moteur d'obédience bricolage au jardinage, comment? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Mais on doit filmer d'autres vidéos pour pas vous laisser pendant mon absence. Comment? Bon, parce que je préfère vous dire une chose. Tout porte à croire qu'il s'agit en réalité de la DDE. D'accord? Donc là, je me suis interrompue une dizaine de minutes et c'est toujours en cours. Donc il va falloir supporter le bruit. Je le déplore, je le regrette, d'accord? Mais on se laisse pas abattre. Donc, je le disais, l'hygiène dentaire, les japonais, ce sont des lingettes pour l'hygiène dentaire. Je reviens pas. Donc là, je vais pas nécessairement... Okay, j'ai pas les mains sales exactement, mais... Ah ben, c'est un paquet dans un paquet, donc voilà, d'accord. Wet tissue for oral care. Donc lingette humide pour...
pour l'hygiène buccale, orale, d'accord. Mint flavor, c'est parfum menthe. J'ai une de mes pinces là. Comment? Moi, je suis excitée de cette découverte. Vous saviez que ça existait ou pas? D'accord. Et parce que moi, je ne sais pas lire le japonais, d'accord. Mais je vois le dessin. Parce qu'il y a une petite demoiselle ici, là, qui nous démontre, qui nous explique la procédure. Eh ben, tu sais pas, je vais aller me laver les mains et je vais essayer. Je suis trop excitée. Ça commence déjà fort, là. Eh ben oui. Ne bougez pas, j'arrive. Je fais des voyages, hein. Bon, à tout de suite. Bon, eh ben, je me suis lavé les mains. Et dans le même temps, la DDE a cessé de nous importuner. J'attrape ma lingette. Comment? Ça reprend. D'accord. Tu sais pas? C'est agréable. D'accord. Parce que sur le dessin, elle passe dans les joues. C'est pas nécessairement pour les dents. C'est vraiment l'hygiène buccale. Parce que je vois, elle passe sur la langue, sous la langue, dans les joues, etc. Parce que il y a des dessins extrêmement explicatifs et démonstratifs, d'accord? D'accord. Made in Japan. Franchement, c'est très agréable. Très agréable. Je vois un milliard de circonstances dans lesquelles je vais me servir de ça. Bon, ça quand même, évidemment. Mais je vois un milliard de circonstances. Sortie de restaurant indien, sortie de restaurant, les choses. Waouh! D'accord. Bien sûr. Les fumeuses, les fumeurs. Okay. Super. Wow. Des lingettes pour l'hygiène buccale. Waouh! Le japonais. Donc voici pour cette découverte. Je poursuis avec un PR package que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Marc Jacobs Beauty. Et figurez-vous que là, il vient de sortir un nouveau mascara. Donc At Lash D Lengthening and Curling Mascara. Waouh. Extreme Length and Curl. Waouh, Epic Definition. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà attrapé. Quelle est sa date de disponibilité? Vegan. Enrichi en biotine et peptides et provitamine B5 pour... Ah, d'accord, c'était un mascara swing. D'accord, donc c'est à la fois pour la longueur et le volume des cils. Donc, alors, attendez voir. Crenant. Hello, gorgeous. Nous sommes ravis de te présenter la dernière nouveauté de Marc Jacobs Beauty. Le mascara Atlashed. Courbe et définition. À toi les cils allongés et recourbés dont tu rêvais tant. Cette petite merveille est dès à présent disponible chez Sephora et sur Sephora.fr. Donc voici le packaging. Et voici le mascara. Il est croyant. Vous le voyez ou pas? Le nouveau mascara de Marc Jacobs. Vous l'avez déjà attrapé ou pas? Ah mais moi j'aime un poil. C'est une brosse à poil. J'ai toujours peur qu'il s'agisse de picot. Mais là non, c'est une brosse à poil. J'adore. J'adore. D'accord. Moi, j'aime un mascara swing. Un mascara qui prenne soin de mes cils naturels, d'accord. En même temps qu'il me maquille, d'accord. Donc, ah ben, la DDE. On va faire avec tout le long, hein, d'accord. Le nouveau mascara de Marc Jacobs. Chez Bersuit. Alors, ça, c'est une trouvaille que j'ai faite moi-même. Vous le savez, j'ai profité du confinement pour donner du repos à mes ongles. Donc, pendant un moment, je n'ai rien fait du tout à mes ongles d'autre que des swings. Donc des huiles pour le contour, les cuticules, les choses, etc. Et ensuite, j'ai repris le vernis par coquetterie, parce que j'en avais envie. Mais le vernis dissolvable, pas du tout le vernis semi-permanent. Je vous renvoie cette vidéo dans laquelle je vous ai indiqué et partagé toutes mes astuces pour le vernis semi-permanent à la maison, d'accord. J'ai dit, ok, j'en profite pour les laisser reprendre de la force et se régénérer, d'accord. Et c'est à l'occasion de ce lockdown que j'ai découvert ces trésors absolus. Donc, vous le savez, dans les marques de vernis, j'aime beaucoup, évidemment, les vernis des grandes maisons que j'ai la chance de recevoir, Dior, Saint Laurent, les choses, etc. Mais j'aime énormément les vernis de chez Kiko et les vernis, bon, OPI, évidemment, mais également les vernis de chez Essie, dont je vous parle depuis des milliards d'années. Wicked chez Essie, c'est mon absolu, d'accord. Et j'ai découvert ces nouveautés chez ici. Je ne sais pas si c'est nouveau chez eux, mais c'est nouveau pour moi. Ce sont les vernis sèche-vite.
Quick Dry Nail Color. Et ils sont extraordinaires. Ça fait trop de bruit quand même ce bazar là. Parce que là, il est déjà tard dans l'après-midi et je vous l'ai dit, je dois filmer une autre vidéo. Et après, une fois que j'ai fini de filmer ces deux vidéos, je dois monter une autre vidéo parce que c'est un travail sans relâche. D'accord? Je vous jure, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Tout ça pour pas vous laisser pendant que je les en ai là-bas. D'accord? Bref, on va y arriver. D'accord? J'espère que vous ne l'entendez pas aussi fort que moi je l'entends. Et alors, j'ai attrapé ces deux teintes. Celui-ci, c'est... Alors, attendez voir parce que là... Buns Up, le numéro 60. Et Not So Lucky, numéro 290, qui est un Oxblood comme ça, bogus. Ils sont super. Et les filles, je vous jure qu'ils sont super. Ils sont vraiment... Une seule couche suffit pour une belle opacité, une vraie tenue et un vrai séchage rapide. Parce que moi, honnêtement, je n'ai ni la patience, ni le temps, ni la volonté d'attendre 5 heures que ça sèche, de ne pas toucher... Non, d'accord. Ils sont vraiment super. Quick Dry, chez Essie. Je ne sais pas si vous les avez vus passer. Le packaging est différent. Hein, ils sont plus allongés comme ça. Okay. Donc voici pour cette nouveauté de chez Essie. Je poursuis avec là encore un PR package. Parce que je dis, je prends immédiatement ce qui est le plus près de moi. Corès. Corès qui généralement a la gentillesse de m'adresser cet paquet PR. Qui a la gentillesse de m'adresser du skincare. Mais moi, la gamme probiotique, je suis au max. Hein. Je me régale avec cette gamme, elle est vraiment extraordinaire, d'accord? Le masque, là, bon, tout. Et là, il m'adresse pour la toute première fois, me semble-t-il, du maquillage. Et donc, ce sont des produits pour les lèvres, me semble-t-il. Twist and Gaze. Matte Lasting Lip Fluid. D'accord. Parce que j'ai la petite carte. Hello, la collection Morello de Corès s'agrandit avec une nouvelle gamme de lacs à lèvres. Lacs à lèvres liquides au fini mat, d'accord. Je suis ravie de te faire parvenir ces 6 teintes, j'espère qu'elles te plairont. Merci Lucie, chez Grenadine. Parce que je n'arrive pas à l'ouvrir, d'accord. Packaging super sympa, mais je n'arrive pas à l'ouvrir, d'accord. D'accord. Waouh, très beau packaging. Donc ce sont des lacs, mais mats. D'accord, ce qui peut paraître contradictoire de prime abord comme ça. Mais alors les teintes, faut là. Voici le produit dont il est question. Et les couleurs de Foley. Vibrant Matte One Stroke Color. D'accord. D'accord, c'est magnifique. Merci beaucoup, Corès. Merci beaucoup, Lucie. Voici les teintes. Oh, ben, moi, là, je vois les petits. Tu vois, pour aujourd'hui, j'aurais mis celui-ci. Parce que je suis tout en Fanta Citron aujourd'hui. Boisson qui ne franchit jamais le seuil de mes lèvres, mais c'est ce que mon cardigan, qui est le cardigan esprit que je vous ai partagé dans l'une de mes récentes vidéos fashion, m'a inspiré. Crenons, d'accord. Waouh, toutes, elles sont toutes belles, d'accord. Parce que ça, c'est un, moi j'aime un orange, un rouge orangé, d'accord. Elles sont vraiment très très belles. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Longue tenue, mat, des lacs mat, longue tenue, d'accord. Eh ben j'ai hâte. Merci beaucoup Corès. Donc, je poursuis. Et je poursuis avec quoi? Ben voilà, donc là, moi, ça c'est un petit quelque chose que j'ai attrapé, d'accord. Vous savez que les jours où je porte du maquillage, je procède à un double cleansing. Je me démaquille avec ma bien-aimée Kumano, dans un premier temps. Donc c'est un démaquillage à l'huile. Et ensuite, je nettoie mon visage avec un cleanser, n'est-ce pas? J'aime bien lorsque j'ai un make-up chargé, etc. Et puis il y a des protections solaires, etc. J'aime bien, pas nécessairement quotidiennement, mais en fonction des si j'ai porté vraiment un make-up, pas heavy, mais ambitieux, présent, j'aime bien hooker avec un petit quelque chose, d'accord? Et donc j'ai attrapé ceci. White Truffle, donc truffe blanche, quelque part. Easy Peeling Facial Towel, que voici. Et double face, donc il est question d'y mettre la main, ça faut l'humidifier, d'accord. D'y mettre la main, donc de ce côté, d'accord. De ce côté, c'est vraiment un petit peu plus ambitieux en termes de gommage. Et de ce côté, c'est toujours un gommage, mais beaucoup plus soft. D'accord. Et je nettoie mon visage. Et j'adore le petit format, je vais chercher sur la racine du cheveu, je vais chercher dans le cou, je vais chercher les choses. J'aime bien ces petits quelque chose. Plant base. Ah d'accord, c'est végétal, comment? Facial Cleansing Towel Made from Bamboo Fiber. C'est de la fibre de bambou. D'accord. C'est une marque coréenne. D'accord. Mais moi, j'aime ça. On n'en a jamais trop. J'en ai déjà beaucoup, d'accord. Mais j'aime toujours fureter, etc.
Donc voici pour cette petite nouveauté. Ensuite, oui, les cils. Ben, la vidéo des cils arrive, je sais pas quand, peut-être à la rentrée. Il y a des tonnes de vidéos que j'avais l'intention de faire, honnêtement. Hein. Et puis, les circonstances nous ont redirigés vers des choses plus fondamentales, n'est-ce pas? Mais la vidéo épilation, ça fait genre 10 ans que je vous la promets. La vidéo épilation, la vidéo sur les cils, il y avait des tonnes de vidéos que je voulais tourner. Mais je vous promets de les tourner, vraiment. Et les deux vont être passionnantes, parce que je le dis très calmement, d'accord? Mais en attendant, moi je continue d'acheter des choses. Et alors vous le savez, je suis très particulière, surtout, particulière meaning relou. Mais les recourbes cils, je suis très, très particulière sur les recourbes cils. Ils ne se valent pas tous, dans l'absolu, ils ne se valent pas tous. Et certains sont même capables de bien des dégâts, d'accord? Donc le recourbe cils de l'univers du monde, selon moi, c'est lui, chez Surat. Il est faux l'ail, d'accord? Mais il faut changer, vous savez qu'il faut changer le petit pneu là, le petit quelque chose. J'ai du mal à retrouver des coussinets, donc je me suis redirigée vers celui-ci. Là, j'ai carrément racheté un lash curler, d'accord? Chez Shuemura. Parce que, ensemble avec le Surat, c'est l'un des plus achetés au monde, dans le monde entier, d'accord? Les Américains, les Asiatiques, tout le monde. Shuemura Eyelash Curler. Et donc, parce que la boîte Sabrina c'est sympa, mais le voici. Et il venait, bon, parce que là je sais pas où c'est que je les ai mis, d'accord, mais il venait avec une petite paire là de coussinets de secours. Parce qu'il est important, les filles, de changer régulièrement votre petit coussinet sur le Eyelash Curler. Hein. Vous le savez, bien sûr. Bon, c'est mignon. D'accord. Donc, voici pour le petit accessoire indispensable. Surtout si vous ne portez pas de faux cils, si vous maquillez vraiment vos cils naturels. Le eyelash curler, c'est indispensable, d'accord? Et surtout, là encore, si vous déplorez des cils droits, vous êtes nombreuses à m'adresser cette question. Sabrina, qu'est-ce que tu recommandes? Première chose, le recourbe cils. Deuxième chose, le mascara waterproof. Même si c'est un petit peu pénible à retirer, mais ça ne l'est pas si vous avez mes astuces de démaquillage. Le mascara waterproof tient, hold the curl, comme on dit, tient la courbe. Il ne retombe pas en cours de journée. Donc voici pour mon recourbe cils. Ici, je me suis fait un backup d'un absolu. C'est pas du tout une nouveauté. C'est, si vous avez vu toutes les vidéos dans lesquelles je fais un espèce de ranking de mes fonds de teint favoris au monde, il est systématiquement présent en tête. Le Fit Me Matte & Poreless chez Maybelline. Là, la raison pour laquelle je me suis fait un petit backup, c'est que toute l'année, je porte le 220. Et là, maintenant que j'ai un hall et que nous sommes en plein cœur de l'été, nous sommes au début de l'été, j'attrape le 228, d'accord? Donc, il me restait un fond de 228 que j'ai mélangé à mon 220 pour opérer la transition, mais là, maintenant, je ne vais porter que lui. Donc, je me suis fait un backup du 228 chez Maybelline. Donc, pour toutes celles et ceux qui auraient loupé l'information, je l'ai répété des tonnes de fois, mais je continue de le répéter, le Matte & Poreless chez Maybelline dans la gamme Fit Me que vous trouvez dans des tubes, lui-là, ce n'est pas du tout ce produit-là. Qualitativement, ils sont incomparables. Celui-ci est bien meilleur. Ce ne sont pas les mêmes produits. Je sais, c'est la même marque, c'est le même nom, c'est le même... On pourrait penser qu'il n'y a que le packaging qui diffère. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment, croyez-moi, et moi je parle d'expérience, ce sont vraiment les produits, les fonds de teint qui diffèrent. Trust me. Lui, c'est l'absolu. Il est très peu cher. Il est formidable. Il existe un Fit Me pour tous les types de peau. Les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux normales, etc. Moi, c'est lui mon absolu. Le Matte & Poreless. Il est vraiment extraordinaire. Donc, voici pour un petit backup des familles. Chez Bensui. Ah ouais, ah ben là, on commence avec la farandole des... Ben, c'est la seule, d'accord. Mais la mésaventure. Donc, vous le savez, j'avais posté une vidéo, mes favoris palettes. Si j'arrive à la retrouver, je vous l'accroche sur l'écran. Les palettes de Dose of Colors, c'est la life. Vous savez, les palettes qui comportent 5 fards et qui sont agencées en fonction des couleurs. Donc il y a tous les marrons ensemble, tous les prunes ensemble, tous les oranges ensemble, etc., etc. Je les aime infiniment, je les rachète et je les rachète, je les ai offerts à des tonnes de gens autour de moi. Et donc là, ils les ont réédités. J'en ai deux où j'ai hit pan. J'ai deux de ces palettes-là. Où j'ai touché le fond, quoi. Le fard est vide, d'accord? Donc j'ai dit, faut que je les rachète. Et en plein milieu du confinement, Dose of Color nous a sorti, en fait, ils ont revampé complètement leur palette.
les fards sont identiques, mais ils ont revu le design esthétique des palettes, etc. Et j'ai pas pu attendre. J'ai craqué, je les ai commandées chez eux. Pourquoi? Parce que généralement, moi, ce sont des palettes que j'ai achetées à l'unité. Et ensuite, Dose of Color s'est mis à les vendre en volt, c'est-à-dire les 5 palettes ensemble, pour un coût bien moindre comparativement à ce que ça coûterait d'acheter les palettes individuellement. Ce que moi j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis stupide, je l'ai fait parce qu'à l'époque le Volt n'existait pas, d'accord. Et donc là ils ont sorti le Volt et les nouvelles palettes, j'ai craqué. Le colis a mis quasiment, à peut-être 24 heures près, quasiment 2 mois à me parvenir. C'est la première mauvaise surprise. La deuxième mauvaise surprise, c'est que j'ai dû m'acquitter de 30 € de frais de douane. Ça n'était jamais arrivé jusqu'alors. Voici mon colis. Mais je fais tout tomber, d'accord. Voici le colis. Et la raison pour laquelle je suis un petit peu colère, c'est que Beauty Bay les distribue. Les nouvelles. Donc voici Pretty Cool. Même le packaging extérieur a changé. Et voici les palettes. Voici ce à quoi elles ressemblaient avant. Vous vous souvenez de ces palettes? J'en suis éperdument amoureuse. Je suis folle de ces palettes. Je ne peux pas le dire autrement, d'accord? Tout est merveilleux dans ces palettes. Le format compact, hyper compact. L'assortiment des teintes. Le petit miroir des familles, sur les performances du fard lui-même, la blendability, la tenue, le rendu, ils sont magnifiques. Donc ça, c'est pretty cool. Ensuite, j'ai Marvelous Mauve. Et je les avais déjà ouverts pour vérifier que rien n'était cassé, d'accord? Parce qu'au prix que ça m'a coûté au final. Marvelous Mauve, vous vous souvenez de ces palettes? Le pinceau qui est inclus n'est pas génial en revanche. Mais bon, que voulez-vous, abondable. Sassy Sienas. Vous voyez, le nouveau packaging est magnifique. Crenéant. Sassy Sienas for life. Crazy, crazy. D'accord. Et alors, les deux dernières. Baked Browns. Ne me demandez pas à laquelle je préfère. Je suis absolument incapable de répondre à cette question. Pas à vous dire une chose. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le Volt est intéressant. Toutes les palettes ensemble. Et donc la dernière, c'est Blushing Berries. C'est peut-être très bon. Ce fard-là, lui-là, il est unique. 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 Et magique. D'accord. Pour les plus du look. Pourquoi non? Donc voilà, si vous étiez tenté par les palettes, les produits Dose of Colors généralement entendu, mais ces palettes-là, Beauty Bay les distribue, j'aurais mieux fait d'attendre. Hein. Et Beauty Bay fait très souvent des discounts, vous le savez, je vous les partage. Je regrette, d'accord? Surtout que franchement, chez Beauty Bay, je les aurais reçus plus tôt. Parce que Beauty Bay est au UK, ils sont en Angleterre. Donc bref, ça m'aurait épargné les frais de douane, l'attente et bien des choses. Mais je savais pas, d'accord? Donc voici pour ce partage make-up, toujours un partage make-up, et là je le disais, c'est un backup parce que je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas expliquer la magie, c'est de la magie pure. Je fais un look, un petit look, que ce soit un make-up chargé ou un petit make-up léger, d'accord? Je suis pas satisfaite du rendu, j'ai pas nécessairement... je suis à deux doigts de tout démaquiller, d'accord? De laisser tomber, de lâcher la voile. Et un pchit de ça. Et le make-up est magnifique. Donc chez Morphe, j'aurais jamais cru que je serais accro d'un produit de chez Morphe Brushes, d'accord? Mais bien que je sois fort accrochée à leur pinceau, notamment le E4, là, Angle de machin, avec lequel je fais mon bronzing, qui est au top, d'accord? Mais la Continuous Setting Mist chez Morphe, ce produit, c'est folie. Et c'est magique. Magique. Je le pchit. Et après j'ai mon éventail immédiatement à portée de main et le rendu est dingue. Là je le porte, le rendu est dingue. Les filles, je vous jure, indépendamment de la tenue, parce que évidemment il contribue de la tenue du maquillage en cours de journée, même là pendant les fortes chaleurs, d'accord. Mais c'est surtout sur le rendu. Et donc j'ai fait le backup, je préfère vous dire une chose. Parce que pendant un moment il était quasiment impossible de l'attraper. J'en ai acheté 5. C'est pas donné, hein, c'est une vingtaine d'euros. Pour du Morphe Brushes, c'est une vingtaine d'euros. Mais j'en ai pris 5. Et là, je suis tranquille. En sachant que une bouteille, il me tient longtemps, d'accord? Il en faut très peu. Mais c'est fou, il a vraiment... Et c'est moi qui vous le dis. Aucun autre setting spray que j'ai essayé jusqu'alors ne m'a donné ça. Ni chez MAC, ni chez Hourglass, ni chez Skindinavia.
Skindinavia, ce sont les meilleurs, entendez-moi bien, ce sont les meilleurs pour la longévité, la tenue du maquillage par balle. Mais là, je suis en train de vous parler du rendu. D'accord. Bon, on dirait une folle. Mais il est vraiment magnifique. Le rendu est vraiment magnifique. Donc, je poursuis avec un paquet Piara. Et alors là, c'est un paquet qui réunit à la fois du Vichy et à la fois du CeraVe. Parce que vous savez que les deux marques appartiennent au groupe L'Oréal. Donc, et moi, j'ai la chance de recevoir les nouveautés. Donc, j'ai reçu mon bien-aimé Hydrating Cleanser. Vous savez que je l'aime infiniment. Un cleanser visage qui ne mousse pas. Parfait pour tous les types de peau, mais particulièrement indiqué, vous le savez, pour les peaux réactives, sensibles, etc. Il est génial. Nettoie et hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau. Visage et corps aux trois céramides essentielles et acide hyaluronique. Sans parfum. D'accord. Donc la pompe, parce que vous savez que moi j'aime une pompe. Ensuite, j'ai la chance de recevoir, dans la gamme Aqualia Thermal, j'adore, la crème Light. Merci beaucoup les filles chez Vichy, Jessica, vous me manquez, Françoise. Donc la crème légère. Ensuite, je mélange tout, CeraVe, la crème réparatrice pour les mains. Toujours chez CeraVe, j'en ai deux. La crème réparatrice pour les mains x2. Bon, ben, il va y avoir des partages, bien sûr. Sans parfum. C'est vraiment deux fois la même, oui, sans parfum, pour les mains sèches et abîmées. Ensuite, je suis contente, j'ai le minéral 89 pour les yeux. C'est le minéral 89 tout court que je n'ai plus, il faut que je le rachète. Hydrate lisse et réduit les cernes, je vous l'ai partagé dès sa sortie, il est vraiment fameux. Que vous l'utilisiez ou non en synergie avec le sérum minéral 89, il est vraiment génial. Et là, c'est une texture gel, mais parfaitement hydratante dans le même temps. Donc je suis absolument ravie, de tout cœur, merci Vichy. Et le dernier produit, c'est... Ah non, il y en a deux derniers produits. Chez Vichy toujours, un baume Natural Blend, un baume teinté pour les lèvres rouges. Et le fameux, c'est de lui dont je vous parlais, je vous avais indiqué dans une vidéo que Vichy arrivait avec une nouveauté particulièrement indiquée par les temps qui courent, n'est-ce pas? Ils ont leur propre gel hydroalcoolique désormais en petit format... Nomade, gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains, Purifying Angel, et donc formidable, petit mignon. Comment ça sent? D'accord, c'est très médical, j'adore. D'accord, voici donc pour, et je suis ravie, voici donc pour ce PR package que j'ai reçu de la part de CeraVe et Vichy. De tout cœur, merci les filles. Alors, chez Bersui, avec quoi? Oui, alors vous vous souvenez de ce produit dont je vous avais parlé, dont je suis tombée éperdument amoureuse. Ça fait partie de ces produits sur lesquels je tombe presque par hasard, mais desquels je tombe éperdument amoureuse, d'accord? La gomme. Ça peut paraître comme ça presque islandais ou que sais-je, mais en fait c'est la cosmétique asiatique, c'est coréen. D'accord? Vous vous souvenez de lui? C'est un cleanser gel, une texture hybride qui ne ressemble à rien. De ce que j'ai vu, de ce que je vois, encore à ce jour, il a pas d'équivalent ce produit. Un cleanser gel, mais qui nettoie profondément la peau. Je préfère vous dire une chose, j'ai la chance de recevoir un PR package de la part de la marque, et je ne l'ai pas ouvert. Vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, comment tu fais pour résister? Je ne sais pas. Parce que je suis là, je passe devant et tout. Voici le paquet. Il n'est pas du tout ouvert. Bon, il a un petit peu subi les assauts du trajet, d'accord? Oh, d'accord! Waouh, les filles, parce que je l'ai ouvert à l'envers, d'accord? C'est toute une gamme, là. Comment? D'accord. Donc, dans un premier temps, lui-même, donc le cleanser lui-même, vous vous souvenez, Seal Up Gel to Water, c'est ça, c'est un gel qui se transforme en eau, et c'est réellement ça. La D2 revient, hein? C'était la pause, c'était pour le café, c'est quoi? Bon, le cleanser. Oh, je vais tout tester. Et là aussi, c'est cleanser, pourquoi? C'en est un autre. D'accord, là, c'est PH Cure Foam Cleanser. D'accord, ça, c'en est un autre. D'accord. Wow. Ensuite, je les jette au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Encore un nouveau cleanser. Cell Up Micro Foam Cleanser. Ici c'était PH Cure Foam Cleanser. Moi qui suis passionnée par les nettoyants en visage, là je vais te dire que là je suis bien. J'ai beaucoup de chance, j'en suis consciente. Waouh. Ici qu'est-ce qu'on a? Le toner Cell Us Mist Toner Cell Sheet. Moi j'aime un sheet.
J'adore les chips, d'accord. Et les packagings sont full eye. Vous vous rendez compte, c'est toute une gamme. Moi, je suis tombée amoureuse de lui. Mais là, j'ai un bon pressentiment qu'il va y avoir des temples dans cette gamme. Donc, not too little, not too much. Ils font vraiment un focus sur le pH, la compo, pas le minimalisme de la formule, mais presque, d'accord. Je vais aller lire davantage sur la marque. Bah, tu sais pas, j'ai un petit pamphlet là. Healthy Beauty Care, Good Dermo Cosmetics. Vous vous souvenez de, je vous en ai parlé il y a longtemps. Ouais, donc Slow Cosmetics, c'est tout ça. Hein. Maintaining moisture is possible as water flows into keratinity. D'accord. C'est formidable. Et je suis pas la seule à les aimer apparemment. Ils sont dans toutes les presses. Bon. Alors le reste de la gamme. Mild Moisture Cream. Toujours dans la gamme Seal Us. Les packaging for eye. Comment c'est une pompe? Ah, j'aime une pompe, bien sûr. Sabrina, reprends-toi. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, un sunscreen. Protection solaire. C'est SPF 51++++. Silus Sun Gel. Ah ben, c'est un gel. Incroyable. Ben là, je suis trop excitée. Waouh! Ah non, mais là, je suis vraiment contente. Franchement, honnêtement, je me suis dit, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu tout ça, j'ai dit, je vais faire des cadeaux. Mais là, je pense que je vais tout me garder, d'accord? Pour même dire la vérité. Ici, qu'est-ce qu'on a? Deep Moisture Cream, la crème riche. Il y avait la crème légère pour la journée et la crème riche pour le evening. Voici le pot. Je suis ravie. De tout cœur, merci la gomme. C'est une marque que j'attrape chez YesStyle, d'accord? YesStyle dont je vous reparle dans un instant. Hein, accrochez-vous à la table et soyez prêts de vos machines parce que dans 24 heures, il sera trop tard. Donc, chez Boss, oui. Ah non, il y avait autre chose. White Moisture Cream, il y avait une autre crème. Comment? D'accord. Une autre crème. Donc elle c'était la riche et ça c'était la normale. Deep moisture, white moisture. D'accord. Écoute, je suis trop gâtée. J'aime pas la boîte. De tout cœur, merci à la marque. Thank you very much. Hein. Donc voici pour ce cadeau. Chez Persuy, avec un craquage, là c'est moi qui ai craqué. Je l'ai acheté, d'accord. Je les ai achetés. Je l'ai vu passer sur Instagram. J'étais sur les starting blocks. Et franchement, je suis tellement heureuse. Il est question de Charlotte Tilbury. Je suis tellement heureuse que la marque soit désormais disponible chez Sephora France parce qu'avant c'était une torture. Je commandais sur Cult où j'attendais de me rendre en Angleterre pour aller visiter les boutiques, notamment celle de Covent Garden, d'accord, ou le méga corner Charlotte Tilbury du Selfridges sur Oxford Street. Et là maintenant il me suffit d'aller chez Sephora ou de le commander depuis chez moi et je suis ravie. Elle a sorti des bronzers, je les ai vus arriver sur Instagram, j'ai dit comment. Donc c'est le packaging de la poudre que j'aime infiniment, qui est l'une de mes poudres absolues de l'univers, mais en king size bronzer, donc le airbrush bronzer, parce que jusqu'alors dans la gamme, rappelez-vous, le seul bronzer qui existait c'était l'une des deux entités présentes dans les palettes Filmstar Bronze and Glow, elle là, que j'aime infiniment, d'accord. Et là elle nous a sorti les bronzers de la Brief. Je les ai gardés neufs pour vous les présenter. Full eye. Donc vous vous souvenez de la airbrush flawless powder là, elle hein. C'est la même chose mais en king size et ce sont des bronzers. Il existe 4 teintes. Honnêtement, je n'en ai pris que 2. C'était pas donné. Mais et le discount n'est pas applicable, évidemment. Mais je n'en ai pris que 2. Mais franchement, considérant les produits, je pourrais me servir des 4. J'aurais une utilité des 4. Mais il faut raison garder, j'ai attrapé le 2 et le 3. Voici le 2 donc qui est le médium. J'espère que vous le voyez bien. Si ça ne rend pas bien à la caméra, je vous le mettrai là sur l'écran. Et j'ai également attrapé le 3, que voici, qui est donc le tan doré. Mais le 4 est magnifique, le 1 est magnifique. Mais les packaging, moi je reviens pas de ce packaging. Là elle a éclaté tout le monde. Voici le 3. Donc je perds les packaging. Le 2 et le 3.
Donc le 2, vous le devinez, je le réserve plus à un contouring qu'à un bronzing. Et le 3 est assurément un bronzer. Mais ils sont absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Et je suis absolument ravie de les avoir attrapés. Je les ai swatchés chez Sephora, sur le doigt, comme ça. Je reconnais vraiment la texture miraculeuse de la Airbrush Flawless Finish Powder, la poudre magique, que l'on sait superposer en cours de journée, etc., qui ne cake pas, qui disparaît, que la peau absorbe, qui se fond parfaitement, qui dit... D'accord. Bon, petite information administrative au niveau de Charlotte Tilbury, elle vient de vendre sa marque, elle a vendu sa marque. Donc elle n'est plus, elle, à la tête de sa marque. Je présume que, comme tous les brand owners qui vendent leur marque, je pense qu'elle va garder quand même une main sur ce qui se passe, un titre, une fonction. Mais elle a vendu sa marque, elle a raison, elle a très bien vendu par ailleurs. Genre très bien vendu, de ouf. She's a billionaire. Mais j'espère que ça ne va pas avoir d'incidence sur le devenir de la marque. Parce que c'est vraiment une marque de maquillage que j'aime infiniment. Dont je vous parle depuis des milliards d'années. Je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle j'ai fait un look constitué uniquement de ces produits de A à Z. Ce incluant le skincare qui est fameux chez Charlotte Tilbury, d'accord. Donc voici pour ces nouveautés que je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous partager. Donc chez Pursuit, on en a presque terminé de mes achats à moi. Oui, DHC. Donc DHC, on les connaît beaucoup pour leurs huiles démaquillantes, évidemment, hein, aux Zitoun. Mais moi, j'aime infiniment ce produit. Je m'en suis fait un backup, j'en ai attrapé deux. C'est un mascara pour ma frange de cils inférieure. Parce que j'ai déjà jeté la boîte, d'accord, parce que j'en ai une autre. Le voici. Donc il ressemble beaucoup au Giga Lash de chez MAC. Vous savez, c'est toute petite brosse pour la frange de cils inférieure. Et elle est fameuse. Non seulement la brosse est magique, mais le produit est dingue. Parce que la difficulté avec les mascaras pour la frange inférieure, c'est qu'ils s'effritent et ils viennent teinter le dessous de l'œil. Il y a un effet raccoon, raton laveur qu'on n'a pas le temps pour les pandas, d'accord. Celui-là, il ne bouge pas. Donc son nom, c'est Double Protection Mascara chez DHC. D'accord. Et le produit que je vous montre depuis tout à l'heure, là aussi j'ai fait un backup, que je vous montre depuis tout à l'heure en pensant qu'il s'agit du deuxième exemplaire de mon mascara, en fait c'est un backup de mon Dior Show Bro Styler chez Maison Dior. C'est mon absolu. Indépendamment de la situation douloureuse que je vis avec cette marque, ce produit est un absolu. Et ma tête, c'est le numéro 1 brown. D'accord. Life, vous le connaissez. Spoolie à l'extrémité. Spoolie ici, produit rétractable de l'autre côté, absolument extraordinaire, une précision chirurgicale. Je l'aime infiniment, c'est la vie. Je suis vraiment très reconnaissante pour ce produit parce que c'est lui qui donne l'apparence que j'ai des sourcils à peu près normaux. Alors que vous et moi savons que ce n'est pas du tout le cas. Style. Donc voici pour ce petit backup mignon. What else? Ah, j'ai attrapé le blush. Donc il y a cette marque extraordinaire qui relève de la cosmétique japonaise de prestige ultime et absolu, et qui porte un nom français, qui est Clé de Peau. Clé de Peau, ce sont des produits absolument extraordinaires. Là, on les voit beaucoup. Maintenant, ça y est, ils ont saisi la nécessité du marketing digital, des réseaux sociaux, etc. Ils travaillent de plus en plus avec les influenceurs, etc. On les voit beaucoup sur le skincare, mais le make-up est dingue. Et donc, il y a beaucoup de choses qui me font envie chez cette marque. Il y a une crème qui me fait envie, c'est très cher. Il y a des protections UV qui viennent d'arriver, qui me font envie, etc. Pour l'instant, je me suis contentée de craquer sur ce duo de blush parce que moi, je suis Bibi les blushs. Et ce sont des produits que j'ai réussi à attraper sur YesStyle. Ils sont chez YesStyle, mais ce n'est pas la totalité de la gamme, malheureusement. Donc, j'ai attrapé ce duo de blush Full Eye, qui est donc, je ne sais pas le lire, d'accord. Où est la boîte? Voici la boîte. Prestige, d'accord. Clé de Peau. Blush duo poudre. Et c'est la teinte 101. Il existe plusieurs. Et donc je vais les mettre dans une de mes petites palettes. Magnifique. Vous voyez le duo ou pas là? Crenant. Et là il existe plusieurs combinaisons, 4 ou 5 combinaisons différentes. Moi je suis allée sur celui-là parce que les deux, séparément ou ensemble, ça va me donner des blushs de folie. Clé de Peau. Bien sûr. Vous les avez vus passer, vous les connaissez ou pas? C'est la magie. C'est l'excellence japonaise. Donc voici pour ce produit. Alors je poursuis, j'en ai presque terminé avec encore un achat. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible.
l'Asie et l'Afrique du Nord se rencontrent pour créer des kiesa de Corée. Bath towel. Ça, pour moi, c'est une kiesa. Tu sais, pour hockey, pour exfolier l'exfoliation, donc lorsqu'il est question de se défaire, de se débarrasser en douceur mais dans une grande efficacité des peaux mortes, de prévenir ou de guérir l'apparition des poils incarnés, si vous utilisez de l'autobronzant dont il est un petit peu compliqué quelquefois de se défaire, les kiesettes bien sûr. Et donc là, la marque, c'est pareil, ce sont les revues qui m'ont conduite à elle. Achai, je ne sais pas. Bath Body Scrub Glow White. Et donc il y a le pouce pour aller chercher les choses, etc. Formidable. Superbe. Et donc celle-ci, c'est la Comfortable. Parce qu'il en existe des plus ou moins hardcore. Celle-ci, c'est la gentille, d'accord? Mais parce que j'ai les hardcore, mais pour vraiment aller hooker le hookage, d'accord? Donc voici pour cette petite, petite nouveauté que vous ne connaissez probablement pas. Oui, chez Micha. Micha, ils m'ont éculaté. J'ai attrapé un pinceau chez eux. Donc le numéro 105. Je pense que c'est un pinceau qui est destiné initialement au fond de teint. Moi, je le destine à l'application de mes swings. Les swings. Tu sais? Quelquefois, là, de plus en plus, lorsqu'il fait chaud comme ça, etc., j'évite d'appliquer mes swings avec mes doigts. J'aime bien poser, si je pose un primer par exemple, ou si je pose quelque chose, j'aime bien le poser au pinceau, d'accord? Et je l'ai trouvé super, il est super, vous le voyez ou pas? Cronin, Micha. Donc le numéro 105 chez Micha, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il s'appelle Foundation, quelque chose, d'accord? La nouveauté chez Micha. What else? Oui, encore deux petits trucs de l'industrie asiatique. Ce compact, j'en ai rêvé, ils l'ont fait. Vous le savez, il n'est pas rare. Je vous en parlais là à l'instant avec le Fit Me de Maybelline. Il y a eu une période, vers la fin du printemps, le début de l'été, non, en fait le milieu du printemps, vers la fin du printemps, où je mélangeais le 220 et le 228. Là, on était confinés, on était à la maison, etc. Il est facile pour moi, devant mon vanity, de mélanger le 220 et le 228. Mais quand je suis dans une normalité de la vie à l'extérieur, en vadrouille à l'étranger ou ailleurs que chez moi, est-ce que je prends vraiment les deux flacons en verre du 220 et du 228? Et j'ai toujours voulu trouver une solution, ça existe, ces solutions existent, mais une solution pratique, hygiénique et esthétique pour pouvoir mélanger mes teintes. Eh bien, ça existe. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je mélange. Les Imperfect Cover BB Cream chez Micha, je les mélange, la 23 et la 27. Il y a des tonnes de choses que je mélange. Chez Maison Saint-Laurent, je mélange. Chez Giorgio Armani, je mélange. Je mélange beaucoup de mes fonds de teint, d'accord? Et donc là, le Beauty Artisan, ben, les Asiatiques, ils nous ont sorti le cushion pour mélanger. Il est vide. Vous l'achetez, il est vide. Là, il y avait une éponge pour protéger le... Il est vide, je les mélange. Je le ferme, ça se scelle, d'accord? J'ai mon petit compact. J'ai le miroir à l'intérieur, vous ne voyez pas. Et je suis au max. Il est neuf, il est conçu pour ça. Il n'y a pas de fond de teint à l'intérieur. C'est moi qui mélange mes choses. Bon, ben voilà. J'en ai eu besoin, j'en ai rêvé. Ils l'ont fait, d'accord? Bon. Parce que je vous l'ai dit, ils sont au-dessus. Ils sont au top. Bon. J'ai la mèche folle, hein? Voilà. Donc, chez Bellsley, what else? Ah oui, là, j'ai reçu un nouveau PR package de la part de Paula's Choice. Ben, Paula's Choice, je vous renvoie ma vidéo routine. C'est une marque extraordinaire. Donc là, qu'est-ce que j'ai reçu? Super, je vous parlais du sérum vitamine C, ils m'en ont renvoyé un. Je suis contente. C15 Super Booster, 15% vitamine C avec de la vitamine E et de l'acide férulique. Donc, je vous renvoie vraiment à ma vidéo routine. Mon sérum vitamine C en ce moment, c'est lui. Ah, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je suis vraiment contente. Ah, parce qu'il y a le dropper qui vient à côté, hein. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup pour la choice. What else? Ah oui, ils célèbrent leur 25e anniversaire. J'ai vu toute une série de posts. Ah, c'est cool. C'est pour ça qu'elle est... Bon, je n'ouvre pas, d'accord, mais ce sont les confettis. Je l'ouvre, on est des glingos. Puisque c'était leur anniversaire. Et que très récemment, vous le savez, c'était également le mien. Happy birthday! Qui c'est qui va passer l'aspirateur? C'est Bibi.
25 ans. Happy birthday for last choice. Et donc là, j'ai le moisturizer avec Essential Glow avec SPF 30. Parfait moisturizer pour la journée. Et je reçois également... Ah ben lui, je l'adore. Je vous en ai parlé également récemment. Le 2% BHA Liquid, c'est un exfoliant. C'est comme un Liquid Gold, mais chez Paula's Choice, qui est absolument fameux. Oh! Vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont mis au fond du colis? Un très mignon petit colis dont je vais me servir. Hein. Moi, j'ai mis une petite pochette comme ça. Ils ont mis une tablette de chocolat des familles. Crazy about chocolate, serious about people. Oh! Ça, c'est super, ça. Celebrating 25 years, beauty begins with truth. La beauté commence avec la vérité. Waouh! C'est deep. C'est bien trouvé. Et c'est efficace. Et perspicace. Et une tablette de chocolat des familles. Merci beaucoup pour la choice. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Ah! C'est l'anniversaire de tout le monde. Hein? C'est formidable. J'adore. Moi, j'aime l'anniversaire. J'aime festoyer. J'aime les festivités. T'inquiète pas. Voici pour ce colis et ensuite, qu'est-ce que je dois vous partager? Ah oui, oh là là. Bon, parce que là, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin pour vous le partager, je suis un peu hésitante. Vous connaissez ma passion absolue et éternelle. C'est lui que je porte en ce moment. Vous le dites avant que je vous le présente si vous êtes des OGs fidèles. Le Omnia Indian Garnet chez Bulgari, qui est mon absolu, vous le savez. En été, c'est lui que je porte tous les étés depuis une bonne dizaine d'années. J'ai un backup effrayant de ce produit. Sous tous ses formats. Ça, c'est le gros format. J'ai le plus petit format. J'ai le format sac à main. Récemment, je vous avais montré ce coffret que j'avais réussi à attraper. Bulgari ne le fabrique plus. Si vous allez chez Bulgari, le site Bulgari, vous allez trouver 1 milliard d'Omnia, déclinaison Omnia, mais pas lui. Il n'existe plus. Alors que de loin, c'est le meilleur. C'est subjectif, d'accord? Mais honnêtement, c'est le meilleur, d'accord? J'avais attrapé donc un coffret avec le parfum, un petit gel douche et une crème pour le corps. Et j'ai découvert, je ne sais pas, moi qui suis vraiment, mais à l'affût de toutes les choses, curieuse. Je furette. Je suis tombée complètement à côté de l'existence de l'huile pour le corps. Omnia Indian Garnet. Et quand j'ai compris que ce produit existait, j'ai essayé de l'attraper. Il est sold out partout. Bulgari ne le fait plus. J'ai adressé un email à Bulgari parce que le truc qui est agaçant et désolant et décevant, d'accord, et triste, c'est que si vous allez sur le site et que vous tapez Omnia Indian Garnet huile de beauté, elle sort sur le site de Bulgari. Je vous renvoie au site de Bulgari, je vous raconte pas de bêtises. Et vous pouvez l'ajouter dans votre liste dans votre wishlist, votre liste de souhaits, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Donc je leur ai fait un email, j'ai dit ce produit est apparaît sur votre référencement digital, mais je n'arrive pas à l'acheter. Et j'ai une personne très courtoisement et très rapidement qui m'a répondu non, c'est discontinué, ça n'existe plus. Donc j'ai cherché partout et j'en ai trouvé un exemplaire sur Vinted. Vinted. Que voici. Donc Omnia Indian Garnet, huile de beauté pour le corps. J'ai presque espéré que l'huile ne reflète pas, ne soit pas vraiment la retranscription fidèle olfactivement du parfum. Et c'est l'exact inverse, elle est exactement fidèle au parfum. Sadness and loneliness in this very moment. Et c'est pas simplement l'odeur, c'est la formule de l'huile. C'est une huile sèche qui laisse un velouté, un satiné comme ça sur la peau, très sensuel, agréable en ressenti et plaisant, magnifique en visuel. Et puis olfactivement, c'est exactement le parfum. Donc pour la première fois de l'histoire de l'humanité, je ne suis pas en mesure, avec un regret profond, je ne suis pas en mesure de vous attacher le lien de ce produit en barre d'infos parce que par définition, il n'existe pas. J'ai regardé dans le monde entier, parce que moi j'ai la chance d'avoir des amis dans le monde entier. Je préfère vous dire une chose. J'ai dit si je vais demander à quelqu'un en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique,
Il est nulle part. Nulle part. Et je l'ai trouvé complètement par hasard sur Vinted à un prix qui est le prix auquel le vendait, un tout petit peu moins cher que le prix qu'il coûte normalement ce produit. Je reviens pas, donc je vais l'économiser religieusement, d'accord. Mais je suis absolument ravie de l'avoir trouvé. Dans le même temps, je m'en veux terriblement. Franchement, je m'en veux d'avoir tardé tant à découvrir son existence. Comment? Vous m'avez pas dit, les filles, pourquoi? Why? Donc voici pour ce produit. Donc mes figues, mes raisins au niveau de... Mon cœur est partagé et divisé, d'accord. Chez Belsui, what else? On en a presque terminé avant de vous annoncer les festivités. Oui, ce produit. Parce que là, c'est vrai qu'on était tous avec les gels hydroalcooliques, etc. Mais il est de toutes les manières démontré, indépendamment d'une considération de pandémie, qu'il est important de se laver les mains. Le meilleur moyen de se laver les mains, en attesteront les chirurgiens, les médecins, c'est à l'eau et au savon. Il y a une certaine méthodologie à observer. Mais l'eau et le savon. Mais quand je suis en train d'enzonner quelque part, il n'y a pas nécessairement de l'eau et du savon. D'où l'intérêt, justement, des gels hydroalcooliques et des choses, d'accord. Et bien là encore, les Asiatiques, ils nous ont éculatés. Ils nous ont fait des savons nomades, là où il n'est pas nécessairement intéressant de porter avec soi un petit pain de savon ou du savon liquide. Ils ont sorti des espèces de feuillets. Vous savez qu'ils sont très ressemblants, parce que je les ai déjà utilisés, c'est pas la première fois que je les achète. J'ai dit la prochaine fois que je vais les acheter, je vais les montrer aux filles. Les feuillets que l'on place sur la langue pour la laine, rafraîchir l'hygiène buccale, etc. Ils ont fait la même chose, des feuillets comme ça, mais c'est du savon. Je reviens pas. Donc déjà, le packaging est fou, hein, vous le voyez là. Et donc j'ouvre, et voici ce que je trouve à l'intérieur. Ça, c'est du savon. Je le mets dans le creux de la main, j'additionne un petit peu d'eau et ça mousse, ça devient du savon. Et ça, vous avez vu, hein, le compact, je peux le glisser même dans ma poche. Le sac à main, la boîte à gants, et à l'extérieur, ils ne fond pas. On dirait presque du papier, vous voyez ici ou pas? Mais c'est du savon. Les Asiatiques sont des génies quelque part. Donc c'est absolument intéressant. Dans la vie de tous les jours, les mamounes avec les petits, hein. Mais là, précisément, alors que nous sommes en... pour ce qui est de nous, parce que c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Vous avez vu les États-Unis là, nous qui sommes en sortie de cette pandémie, pour nous la France, c'est particulièrement intéressant en ce moment. Donc, et c'est très peu cher. Moi, je les achète en lot, etc. J'en ai donné à tout le monde. Donc voici pour le... Donc voici pour cette dernière nouveauté. Et là maintenant j'en viens à la surprise. Donc les plus fidèles d'entre vous ont vu cette vidéo, donc ma vidéo routine. En terminaison de cette vidéo routine, je vous avais partagé, j'avais entrepris de partager, parce que vous savez, moi j'aime un anniversaire là. Je viens de vous parler de l'anniversaire de Paula Stories. J'aime un anniversaire. C'était l'anniversaire des 14 ans de YesStyle. C'est énorme, d'accord. Donc j'avais décidé de manière complètement unilatérale de moi-même, pas moi-même, pour vous-même, d'établir un top 14. Parce que moi j'ai tellement de temples dans la cosmétique asiatique, j'ai dit je vais faire un top 14. Et YesStyle, ça leur a beaucoup plu. Vous savez pas ce qu'ils nous ont fait? On va vous dire autre chose. Alors attendez, j'arrive, ne bougez pas. Je suis pas très douée pour reconstituer les packages, d'accord. Mais ils nous ont fait tout un paquet cadeau, regardez. Le top 14 de The French Way. Vous voyez hein? Le top 14 de The French Way. Donc, j'ouvre. Thank you! YesStyle Team de tout cœur, toute l'équipe chez YesStyle, Pauline en particulier de tout cœur, merci. Et donc, voici le top 14 de le YesStyle 14e anniversaire. The French Way's Favorites. Mes favoris à moi. Waouh! Et donc, les voici. Bon, il y en a que j'ai défait du papier parce que c'est énorme, mais les voici. Je vous les rappelle très rapidement. Très rapidement. Pour le détail, vraiment, je vous renvoie à ma vidéo, la vidéo que je viens de vous accrocher à l'écran. Chez Mison, le collagénique Aqua Volume Up Essence. Chez SK2, l'essence Facial Treatment Essence. Là, c'est la pompe. La pompe des familles. Chez SK2, d'accord. Chez Misha, évidemment, l'essence
Time Revolution The First Treatment Essence. Bon, parce que là, elle est toute neuve, donc je l'ouvre pas, d'accord, mais vous savez qui elle est. Toujours chez Misha, la Perfect Cover BB Cream. Vous savez que je mélange la 23 et la 27. Chez Claire's, la Soft Airy UV Essence. Chez La Neige, le Lip Sleeping Mask Berries, c'est mon préféré. Chez Adalabo, la lotion Bokeh June, mais celle-ci c'est le top, c'est la premium, d'accord. Chez Kumano Cosmetics, évidemment, Pharma Act Deep Cleansing Oil, mon huile démaquillante de la vie du monde. Chez Melano CC, la lotion pour l'hyperpigmentation, c'est un monstre d'efficacité ce produit. Vous vous rappelez, chez Curies, les patchs, needle patch pour les embrouilles et les invités l'ont désiré, d'accord. Celles qui savent, savent. Et toujours chez Misha, donc la crème pour les yeux, Geum Zeul Giyun, de Folai. Vous savez, ouais, parce que je l'ouvre, d'accord. Elle, vous la reconnaissez. What else, parce que c'était trop bien, il y avait des trucs et tout. Non, là, ça va, c'est dans les packaging. Ensuite, dans la gamme Derma B, vous vous souvenez que je l'avais dit, j'ai un coup de cœur absolu pour la gamme entière. L'hydratation du corps, je vous prépare une vidéo routine du corps quand je reviens de mes gambadages. Là. Mais c'est un gambadage qui va durer un mois, d'accord. L'hydratation sur le corps, la santé de la peau de mon corps, les odeurs, les parfums, les choses, etc. Derma B, donc la lotion, la crème, body cream et le lait. L'huile, parce qu'il s'appelle Milk Oil, d'accord, chez Derma B. Et enfin, chez La Neige, évidemment, le Cream Skin Refiner, moi qui m'a choqué, je vous en ai parlé il y a des mois en arrière, le Cream Skin Refiner chez La Neige, et dans la gamme capillaire, chez Tsubaki, les duos magiques shampoing et conditionneur. Eh bien, les filles et les garçons, pour nous remercier de cet hommage en honneur de leur anniversaire, et puisque c'est cette semaine leur anniversaire, ils font une semaine d'anniversaire entre le 29 et le 5. Donc cette vidéo vous paraît le 1er juillet, nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, ils nous offrent deux cadeaux, en fait trois cadeaux. Moi j'aime un cadeau, j'aime un cadeau pour les autres, pour offrir, d'accord. C'est ce dont il est question. Hein. Bon, moi déjà j'ai reçu ce cadeau qui est extraordinaire, ce sont mes 14 temples, mon top 14 des familles de moi-même, d'accord. Établi par moi-même. Ils m'offrent déjà mon top 14, je suis absolument ravie, mais en plus, aujourd'hui et seulement aujourd'hui, pour 24 heures, pour une durée de 24 heures, ils nous offrent un code discount, un code promo de 20%. Que je vous attache juste ici sur l'écran, je vous le remets en barre d'infos, mais c'est uniquement 24 heures, 1er juillet, d'accord. Et le deuxième cadeau, ce sont donc 20% de réduction dès lors que votre panier atteint un montant d'achat de 40 euros. Donc là, vous pouvez bénéficier des 20% pour seulement 24 heures. Ça fait beaucoup de chiffres, mais vous avez suivi, parce que si vous êtes derrière le discount comme moi, normalement, vous avez suivi, d'accord. Je vous remets tout le détail en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pour 24 heures, le discount, et quiconque utilisera ce code pour valider un panier d'achat de 40 euros et plus, se verra offrir, sera tiré au sort par YesStyle pour recevoir mon top 14, le top 14 de The French Way, qui parle d'elle de manière tout à fait normale à la troisième personne, d'accord. C'est pas trop cool. Je suis au max, j'ai chaud et tout. Attendez, c'est pas fini. Je vais également, moi, choisir quelqu'un parmi vous. Donc ça, vous le savez, parce que c'est YouTube est très... sont méchants sur cette question. C'est pas du tout sur YouTube que ça se passe, donc je vous renvoie à mon Instagram, l'Instagram de aujourd'hui là, sur à 19h sur mon Instagram. Envoyez-moi, et c'est pareil, ça sera uniquement pendant 24h. Envoyez-moi un petit, votre produit favori de la cosmétique asiatique que je vous ai fait découvrir, que l'on attrape chez YesStyle, et je tirerai au sort, depuis ma retraite à l'étranger, je tirerai quelqu'un au sort pour offrir mon top 14. C'est pas trop cool? C'est si cool et formidable, j'adore un cadeau, j'adore un discount. Deux cadeaux, tirés au sort. Et donc moi, je vais tirer quelqu'un au sort, je vais prendre quelqu'un. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, généralement c'est quand j'aime bien le message. Ça me fait sourire, ou ça me fait rire, ou ça me fait chaud au cœur, ou ça me fait... Je pioche. Et eux, ils vont... Là, eux, pour le coup, ça va être parfaitement aléatoire. Parmi les gens qui vont valider leur panier en se servant de mon code de 20%, ils vont, au hasard, je pense que c'est un ordinateur chez eux,
qui va tirer quelqu'un au hasard. Donc je suis absolument ravie de ces cadeaux, de ce premier cadeau de cette vidéo qui vous parvient un mercredi en plein milieu de la semaine pour vous donner du courage et de la force et de l'amour et des bénises. Et toutes ces nouveautés beauté évidemment, et le discount code de 20%, c'est intéressant, et le top 14 deux fois. Je suis absolument ravie. Donc de tout cœur, YesStyle, merci pour moi et merci pour mes abonnés, pour mes sisters et mes brothers. Je suis au max. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici avec cette vidéo. Je vérifie de ne pas avoir oublié des choses. Eh bien, j'ai oublié des choses. Bye Terry, qui a l'extrême gentillesse de m'adresser un PR package. Ben, bye Terry, qui nous a énormément gâté ces derniers temps. Je suis très... je suis un petit peu tristesse. Parce que je sais que mes vidéos mercuriales ne rencontrent pas, en termes d'audience, le succès que les dominicales rencontrent. Mais ma vidéo by Terry, celles qui l'ont vue l'ont beaucoup appréciée, parce que j'ai créé un petit look de folie avec des blushs liquides et des choses, etc. Mais je suis un petit peu triste de son score, d'accord. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai Malora. Malora, je te fais un énorme bisou. Qui m'adresse à nouveau... Ah, mais c'est encore une petite trousse mignonne et pilou doudou mimi. Elle est trop mignonne, elle est trop douce. On dirait un chinchilla ou quoi. Un hamster mignon. Ah, je suis contente. Oh, je suis contente. La Hyaluronic Hydra Powder que vous connaissez, que je vous partage depuis tout le temps, qui est un temple absolu. Absolu. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo by Terry. Et là, je reçois... C'est ça la nouveauté. C'est la même, mais empressée. Je pense qu'elle existait déjà et je ne l'avais pas attrapée. Ou est-ce qu'elle est, elle vient à peine d'arriver. Il n'y avait pas un mot. Comment? Il n'y avait pas de mots, mais je découvre au sol un colis que j'ai failli oublier de vous partager. Donc voilà, je suis absolument ravie de vous partager la Hyaluronic Pressed. Hyaluronic Hydra Powder en pressé, compact. Non, c'est nouveau. C'était pas la Hyaluronic qui existait en pressé chez By Terry. Oh, elle est magnifique. Voici la poudre. Je suis la plus heureuse. Parce que moi, je vous dis, là, je zorle, je vais zorler. Crelant. Merci de tout cœur, Malora. By Terry, une marque qui ne cesse moi de m'éclater. Donc voici pour ce PR package de chez By Terry que j'ai failli oublier de vous partager et qui m'a permis également de me rappeler de celui-ci. Encore un PR package que j'ai la chance de recevoir de la part de Pixie. Donc Pixie, moi vous savez que je les aime par-dessus tout, je les aime infiniment. Je viens de voir, je ne sais pas ce que contient cette boîte, mais je viens de voir la sortie de lui. Moi vous savez que je suis l'heureuse propriétaire, possesseuse de tous les toniques qui existent, en commençant par évidemment à la base, le glow tonique, le rétinol tonique, le rose tonique, le vitamine C tonique, et tous les toniques, d'accord. Et bien, ils viennent de nous sortir celui-ci, je suis au max. Je vais vous dire une chose, j'espère le recevoir. C'est peut-être lui, hein. Ce serait trop bien, comme ça je l'attaque Illico Macias, la revue, là, je l'inclus dans ma routine. Comment? Oh non, c'est du make-up, c'est si mignon. Midsummer Festival. Ah d'accord, c'est Petra, donc la fondatrice de la marque, qui nous explique que lorsqu'elle grandissait, qu'elle était enfant, qu'elle a grandi en Suède, Midsummer is a summer festival, c'est un festival pour enjoy the longest day of the year. Ah, c'est pour le plus long jour de l'année, c'est un sac de banane. C'est une banane pleine de make-up. Merci de tout cœur, Pixie. Thank you so much. Donc, une palette pour les yeux ambitieuse et tout en glitter. Elle est trop mignonne pour les yeux dans les bleus, verts, tout en glitter crémeux. Des lingettes démaquillantes. Le petit nécessaire pour aller zoner, c'est le Coachella de la Suède, en fait, ce qu'elle essaye de nous raconter. C'est trop bien. Un gel hydratant, un petit gloss. Et trop mignon. De tout cœur, merci Pixie. J'ai failli oublier de vous le partager, donc je suis ravie de l'avoir trouvé à même le sol, d'accord. Voilà tout cette fois-ci qui conclut cette petite vidéo mercuriale, les nouveautés beauté, les découvertes et les choses et les suspenses, et les méga cadeaux au pluriel, multiples et variés, mais tous autant formidables les uns que les autres. Donc, les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je travaille fort pour vous retrouver dimanche, et le dimanche suivant, et encore le dimanche suivant. Rien n'est moins sûr quant à la parution de la vidéo fashion, la July fashion est incertaine. Mais tout reste à déterminer, d'accord? Donc, je vous laisse ici pour de vrai, je vous embrasse une nouvelle fois et je vous dis à très très vite. Bye!